Good morning, dear televiewers, and welcome to this bilingual news of church actualities. Bonjour, Bérénice. Good morning, Lydia. We begin with you, Bérénice, for the first part of this actuality in French language. Ils sont venus des quatre coins de la ville pour écouter la parole de Dieu. Les bien-aimés de l'église d'Ibombari n'ont pas manqué d'être bénis dimanche dernier. Suivons à cet effet le reportage de Christiane Massa. Dimanche 21 novembre 2021, les chrétiens de Ibombari ont été abondamment bénis. Après 30 minutes de silence observé, le frère Charlemagne Banguet monta en chair sous une grande onction, conduisit la louange. Plus tard, le pasteur Saint-Pius Fomico montant en chair lira dans les livres de Galates 6, versets 7 à 10 et de Daniel 17, versets 13, d'où il prendra pour thème « Dépendre entièrement de ce que dit la parole ». C'est sur ce thème et en présence de l'ange que le Seigneur, au travers de son serviteur, parla à son peuple et dit « Lorsque nous connaissons ce que la parole de Dieu dit à notre sujet, nous devons la confesser et fonctionner selon ses recommandations. » Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu d'implorer la grâce de Dieu afin de nous débarrasser des cœurs durs que nous possédons. Christiane Massa depuis Ibombari pour PCI. Notre envoyé spécial, Elias Faure, nous donne un récap du culte du dimanche 21 novembre 2021 dans la localité de Manjo pour clôturer le département du Mungo. Écoutons son reportage. C'est à 9h précise que le culte du dimanche dernier à l'église Manjo débuta par 30 minutes de silence, un instant de concentration devant le Seigneur. À 9h30, suivit la louange conduite par le frère Samu François. Puis vint l'officiant du jour, le révérend O'Kelly Steven. Après avoir béni le Seigneur, l'homme de Dieu accueilla les membres PCI du Mungo qui sont venus pour installer officiellement leur correspondant de Manjo. Puis le pasteur donna la parole à la coordonnatrice qui procéda à l'installation. Après cela, le pasteur reprit la parole et lut dans le livre de Ézéchiel chapitre 28, versets 1 à 2, Apocalypse 6, versets 1 à 2, y donnant le thème de son message « Ayez des grandes ambitions ». Dit-il, nous devons avoir des grandes ambitions, mais pas comme celle du diable qui avait cherché à prendre la place de Dieu. À cause de cela, il a été précipité hors de la présence de Dieu. Écoutons un membre à la sortie du culte. Nous avons été bénis à l'église de Manjo par le révérend O'Kelly Stephen. Le thème de son sermon était « Avoir de grandes ambitions ». Avoir les grandes ambitions n'est pas un péché, mais ce qui compte, c'est quel genre d'ambition. Nous devons toujours avoir les ambitions positives, penser du bien et que la volonté de Dieu soit toujours dans nos ambitions. L'homme de Dieu continua ses propos en disant que notre ambition doit être des ambitions positives qui consistent à chercher les choses d'en haut selon la volonté de Dieu. Elle ne doit pas être contre la volonté de Dieu. Elias Faure, depuis Manjo pour PCI. Une fois de plus, les aigles de la cour royale de l'église PK21 se sont rassemblés autour du roi des rois pour un festin parole. Thierry Ngan pour plus de détails. Comme les frères de la Pentecôte étaient assidus au temple, les chrétiens de l'église de PK21 ont répondu présents à leur poste de devoir. 9h30, observation de 30 minutes de silence. 10h, louange conduite par le chantre Banek Jean-René. Les communiqués ont été apportés par le révérend Baptiste André. Nous étions connectés en vidéoconférence au Love Divine Sanctuary, où le révérend Esokoum a introduit la bande intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Lecture biblique à Amos chapitre 3, le verset 7. Ce fut un moment de bénédiction, car le prophète William Aaron Branham, à la fin de l'écoute, va prier pour les malades. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang pour Parole Créatrice, PK21. Toujours dans le Vouri, c'est dans une grande joie que se sont rassemblés les chrétiens du Love Divine Sanctuary de Mboko dimanche dernier pour l'écoute de la voix de Dieu. Saurait les bois pour ce reportage. Ce dimanche 21 novembre 2021, les chrétiens du Love Divine Sanctuary de Mboko ont répondu présents dans la maison du Seigneur. C'est dans un atmosphère de joie et de réjouissance que le frère Fous Nathan conduit le peuple de Dieu afin de disposer les cœurs.
Le révérend me cacha une fois derrière la chaire, entrant dans le vif de son sujet tout en lisant 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 16 et 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. Et pris comme thème, choisis la voie que tu veux suivre aujourd'hui. Tout comme Élie le Tishbite au temps du roi Akab, le peuple de Dieu fut encore confronté à faire un choix entre servir Baal et servir l'Éternel des armées. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple de Dieu est confronté à faire un choix. Ceci fut la quintessence de son propos. Après cette brève exhortation, l'homme de Dieu encouragea les tout petits à assister à l'école du dimanche. Plein d'encouragement et d'enseignement, c'est ainsi que prit fin ce merveilleux culte. Les chrétiens de Mabanda dans la localité de Bonabéry ne sont pas restés indifférents à l'écoute de la voix autorisée dimanche dernier. Noël Esso nous en dit mieux. Mabanda ce dimanche matin du 21 novembre 2021 était richement béni par la présence de Christ parmi son peuple. Après la louange conduite par le frère Erimbela, s'en est suivi de la présentation du prophète William Marion Branham par le révérend Aaron Pigla dans le message « La puissance de Dieu pour transformer » prêché en 1965, deuxième et dernière séquence de côte. L'homme de Dieu lira dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à 2 et dira un mot de prière avant de faire place à l'écoute après une brève introduction. La dite bande sera écoutée pendant 1h15 minutes et lorsqu'elle prit fin, ce référent Aaron Pigla qui reviendra pour sommer le message en ces mots. Nous sommes en route vers le ciel, mais au départ, il faudrait que nous soyons le produit de la parole de Dieu pour y entrer, sinon nous serons détruits. Il continue en disant que Dieu veut bâtir son peuple par la parole. Et pour cela, nous devons revenir au commencement. Parce que Dieu attend de nous une transformation de ce que nous étions à ce que nous sommes aujourd'hui grâce à la parole parlée. Car dit-il, Frère Branham dit que nous devons passer de l'arbre de la mort à celui de la vie, parce que notre premier message, c'est notre vie. Il va conclure en disant que n'abandonnons jamais cette parole, quoi qu'il arrive, restons derrière elle. C'est la seule chose qui ne faillira jamais. Juste après sera un mot de prière, et à 12h10 exactement, il laissera la parole au coordonnateur de PCI Info TV venu installer les reporters du côté de Mabanda et le pasteur de congédier l'assistance après la collecte des offrandes. Dans le département de la Sanaga-Maritime, nous écoutons à présent Lumière Bibotley pour le compte du Shalom Tabernacle d'Edea. Nombreux ils étaient ce jour au Shalom Tabernacle d'Edea pour communier avec les frères autour de la parole de Dieu. Ils étaient certainement ravis de se retrouver encore ce dimanche 21 novembre 2021. L'écoute de la bande du jour portait sur le thème « La nourriture spirituelle au temps convenable » prêché en 1965 par le prophète William Mahom Branham. 1 Roi 17 verset 1 à 7 fut le passage biblique lu par le prophète. Après cela, le pasteur Sokante monta en chair pour donner le résumé. Il dit, ce que les dénominations ne voient pas, nous les croyons, nous les voyons. La nourriture spirituelle, le message, la guérison sont pour nous les croyants. C'est par ailleurs avec un esprit disposé et beaucoup d'intention que le peuple de Dieu fut béni et certainement ne sont pas rentrés à vide. La sœur Merveille témoigne de cela. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Et que lui, comme il est un esprit saint, il ne peut habiter dans un corps sale. C'est pourquoi chacun de nous doit être en règle. Et qu'il finit par faire tout à son temps. Toujours ce dimanche 21 novembre, mais en soirée, aux environs de 17h30, s'est tenue une ligne de prière au Shalom Tabernacle d'Edea. Tout a commencé par la louange conduite par le frère Martin Baumet et la prédication apportée par le pasteur Sokante Paul. C'est dans Jean 6, verset 1 à 6 que l'homme de Dieu tira son sermon. Dès lors, c'est à travers cette prédication que beaucoup consacraient leur vie et la délivrance débuta à cet effet. Dieu s'est manifesté au travers de ses prophètes, frère David et Romaric, sans oublier les commandos d'Edea. Certainement, les témoignages restent à venir. Rendez-vous donc tous les dimanches soirs à 17h30 au Shalom Tabernacle d'Edea, Simbure Rai, pour toi qui es à la maison et qui soupire être délivré. Viens et Dieu parlera certainement dans ta vie. Je suis Lumière Bibodet pour PCI. Les bien-aimés de l'église des Toits ont particulièrement été bénis dimanche 21 novembre 2021 par l'écoute d'un sermon rediffusé du révérend pasteur Samuel Baoya prêché au Yahshua Hamasha Tabernacle de Yaoundé. Bernadette Priscille pour plus de détails.
Ce sermon intitulé « Honore ton père et ta mère » était une invite à quiconque au respect des serviteurs de Dieu. Plusieurs serviteurs de Dieu et chrétiens meurent avant le temps parce qu'ils ont été déconnectés de leur père spirituel. La chose que nous avons à faire est de chercher à les réconcilier et non à augmenter les plaintes. Le pasteur demanda également à l'Église d'être patient à l'égard des promesses de Dieu, puisque quand nous recevons une révélation, nous devons nous accrocher là-dessus, puisqu'il y a une différence entre la parole qui a été dans la tête et celle qui a été révélée. Il faut faire également attention à l'athmésie spirituelle, car c'est une technique du diable pour faire en sorte que le chrétien oublie ce que Dieu a fait pour lui. La bénédiction des parents, c'était le thème du culte de dimanche dernier à Consolation Tabernacle de Yokadouma. Hulda Wamene pour les temps forts de cette prédication. Ce dimanche 21 novembre 2021, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis autour de la parole de Dieu. La louange conduite par le frère Dimanche Mambeya, le service de la lecture communiqué par le diaphime Tchagi. C'est dans un état d'adoration que le pasteur Elie Bouda monta en chair. Il adresse d'abord un mot de prière, puis salua l'assemblée. Après l'étude du passage biblique dans Genèse 22, versets 15 à 18, il donna son thème, la bénédiction des parents. Le pasteur commence d'abord par de la signification du mot bénédiction en grec, benedium, qui signifie parole prononcée, c'est-à-dire qu'une bénédiction est une parole prononcée. Il a été dit que les parents ont pour mission d'être la représentation de Dieu envers les enfants. Pour cela, cherchons à ce que ce soit toujours des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche de nos parents. Malgré le fait que nous recevons les bénédictions de nos pères ici-bas, nous recevons aussi de la part du Seigneur, lui qui est le Père de tout le monde. Alors, nous devons aussi respecter ses commandements et sa parole afin d'être bénis comme Abraham, Joseph et bien d'autres. Le pasteur viendra pour conclure avec les préparatifs du programme de la campagne d'évangélisation qui se tiendra du 28 novembre au 5 décembre ici même à Yokadouma à Consolation Tabernacle. Welcome back for this second part with the children of God hired from Melon, who last Sunday were richly blessed after listening to the word of God. Fabiola Mombi was present and will tell us more. The Church of Melon Center called the End Time Message Service on 21st November 2021, whereby Brother Fahre, one of the members of the church choir, conducted the service, and Pastor Andrew Kwete read a scripture in the book of Romans 12 with the title, Do Not Conform Any Longer to the Pattern of This World. We should not conform ourselves to those things of the world, because what the world calls happiness is an in-law to us Christians. As a child of God, be wise and don't expose our problems to the world, but keep it a secret for God to help us. Fabiola Mumbe from PCI TV. In a corner, the children of God came together with joyful heart at the feet of their Savior last Sunday, 21st November 2021. A report from Bertrand Anago. The Church of Ekona last Sunday, 21st November, was a special Sunday for the children of God who gathered together to fellowship with their Creator. Brother Bertrand conducted the singing, and thereafter, Pastor Ruben was ushered to the pulpit for the second phase of the service. He spoke on the theme, washing of feet, reading from the book of John 13, verse 1 to 15, and Luke chapter 7, verse 36. The man of God expanded that when Jesus Christ was washing his disciples' feet, he said, "This thing I'm doing to you, go and practice it." The man of God, Pastor Ruben, then explained and said, "There is no elderly person in Christianity, that everyone is equal." The man of God then ended the sermon by welcoming a sister who just joined the Bright Ministry, who took her baptism in the name of the Lord Jesus Christ. This is Bertrand Anago reporting from PCI, Ekona. Fighting against forces of darkness was one of the things the Christians of Boya Prayer House were reminded of. Bekidiba, tell us more.
It is with cheerfulness that the Christians of the House of Prayer Abuja worship God under the coordination of Njike Elize last Sunday, 21st November 2021. God spoke to his people through Evangelist Marcel under the theme, How is it possible? The preacher sought to make us understand why Jesus shed his blood and the privileges this gives us, that we have to be conscious of being children of God. It is the presence of angels that makes us different from others, he said. The devil does his job, so Christians should learn to do theirs, he continued. The man of God called upon Christians to be conscious of who they are and should be able to protect what belongs to them. As he projected a video of a woman performing witchcraft in someone's compound, he said, watching these videos brings tears to his eyes as the devil manipulates our lives while we do nothing. The evangelist Marcel ended the service with a powerful prayer, possessing the gates of the enemy, destroying satanic objects and pronouncing words that will change our lives. For PCE, Biki Ziba. It was a day full of joy for the people of God in Bonga after receiving a wonderful message where each of them were blessed. Henry Ebumbu for the details. The children of God didn't miss to gather again in this Sunday at the church on Bonga. After the 30 minutes of silence, Brother Bike and Wax came on and led the adoration songs. After the worship, the pastor came onto the altar, whom after some word announced the today's host, who was Pastor Njike. He came onto the altar, brought his greetings to the people, and after some word, he opened the Bible and read John 3 verse 1 to 13, and gave his team to be newly born. He talked to the people by saying, what shows you are newly born is our behaving among others. If you are newly born, you should have a good behaving among mankind. We should be humble, obedient, and have the nature of God manifesting in us. He also said we should have an upward living, because the Bible said in the book of John, if a man isn't newly born, he can't see the kingdom of God. The message finished, he led praise to the pastor of the church, who brought some words to add in the message. After all the giving being collected, the pastor made the ending prayer for the end of the assembly. It was Henry Ebumbu for PCE. Ladies and gentlemen, we have reached to the end of this edition of Church Actualities. Au revoir, Bérénice. Au revoir, Lydie. See you next Wednesday, 12 p.m. God bless you. Shalom.